الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة يقول سبحانه جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وسلم فالحمد لله mes très chers frères louange à Allah subhanahu jalla wa ala louange à Allah pour tous les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés louange à Allah pour les bienfaits de la foi le bienfait de l'islam, le bienfait, le fait d'être parmi la umma du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. A'zamu wa a'la ni'ma hiya ni'matu ad-din. Le meilleur et le summum des bienfaits qu'Allah peut accorder à une créature, Allah, c'est le bienfait de la religion, le bienfait de la foi, le fait d'être parmi la communauté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'être parmi les gens qui font revivre sa sunna, ça c'est vraiment un choix d'Allah. Pour cela, chacun d'entre nous, il faut qu'on remercie Allah dans les plus profonds de notre cœur. Dans les plus profonds de notre cœur, on remercie Allah. Wallahi bi ni'mat al-Islam. Pour les bienfaits de l'islam. D'être un musulman, c'est un honneur. D'être un musulman, c'est un honneur. Ça, c'est des paroles, il faut qu'on les répète. On les récite jusqu'à ce qu'ils viennent à nous. C'est un honneur d'être un musulman. Seule religion qui est agréée chez Allah, c'est dans le Coran, ça, personne ne peut changer ça. On a trouvé des dents, on va partir, on va laisser des dents. Allah dit, seule religion qui est agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, c'est l'islam. Quiconque prend autre que l'islam, tu ne seras pas agréé yom al-qiyama. Et tous les prophètes que Allah nous a envoyés, ils sont tous venus avec l'islam. C'est la législation qui a changé, mes très chers frères. C'est pour cela, mes très chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala akramana laqad akramana Allah subhanahu jalla wa ala wa amadda Allah fi a'marina hatta azallana haza al-shahru al-azim shahru Allah al-muharram awal al-shuhur al-sanatu al-hijriya wa ahaddu al-ashhur al-hurum allati qala Allah tabaraka wa ta'ala anha بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله سبحانه وتعالى ينودي dans l'essence des versets dans le Coran. Allah il dit le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il a créé le ciel et la terre, quatre d'entre eux sont sacrés.
Telle est la religion de droite, dira ces mois, ne faites pas du tort à vous-même. Wa qala nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. إن الزمان قد استدر كهيئته يوم خلق السماوات والأرض سنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جماد والشعبان أخرجه شيخان رحمهم الله دبر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le temps a repris son cours tel qu'il a été quand Allah a créé le ciel et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 mois sacrés, yani les 3 qui se suivent, hein, pour les noms de Zulqad, Zulhijja et Muharram, et le 4e, yani Rajab. Alors parmi ces 4 mois, mes très chers frères, qui sont sacrés, Allah subhanahu jalla wa ala, il nous a fait apparaître ces mois bénis, yani Shahrul Muharram, le premier mois lunaire, hein, yani Allah subhanahu jalla wa ala, il nous a fait apparaître ces mois bénis. Mais qu'est-ce que chacun d'entre nous on doit retenir dans ça? Voilà, mon frère, reviens juste en arrière. L'année dernière, l'année passée, combien de janazas tu as assisté? Combien de personnes ont fait parvenir leur retour auprès d'Allah subhanahu jalla wa ala? Et combien de janazas toi-même tu as assisté? Beaucoup ils ont fait l'année passée avec nous, mais cette année, hélas, ils ne sont plus là. Ils nous ont quittés. Ils sont retournés vers Allah subhanahu jalla wa ala. L'intelligent et perspicace, celui qui se fait du compte à lui-même et qu'il prépare ce qui vient après la mort. C'est moi béni, c'est moi béni, c'est moi que Allah il a rendu sacré. Comment chacun d'entre nous, nous allons rendre sacré ce que Allah a rendu sacré? À travers nos actions, à travers nos actions, à travers nos comportements, à travers nos propos. Ahabat al-Kiram. Wa laqad warada al-fadl fi al-iksar min as-siyam an-nafila fi shahr Allah al-Muharram kama fi al-hadith as-sahih an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdal as-siyam ba'da ar-Ramadan shahr Allah al-Muharram wa afdal as-salati ba'da al-farida as-salatu al-layl rawahu Muslim rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a évoqué le mérite de ces mois bénis dont Allah il a rendu sacré. Le prophète il nous a informé les meilleures actions qu'on peut accomplir dans ces mois bénis, c'est de multiplier les jeûnes surrogatoires. Ça, c'était les mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait beaucoup. Alors, le prophète, il dit dans le sens des hadiths, le meilleur jeûne après les mois de Ramadan, c'est le mois béni, yani al-Shahr al-Muharram, le mois lequel on est à Habbat al-Kiram. Le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, c'est le jeûne pendant le mois de Muharram. Et la meilleure prière après la prière obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est la prière de la nuit. Comment chacun d'entre nous, on va multiplier le jeûne surrogatoire pendant ces mois bénis? Fahad al-hadith fihi التصريح بأن المحرم هو أفضل الشهور للصوم التطوع فإن أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم في شهر محرم هو الصيام. Ce hadith qu'on vient de citer, ça nous prouve
que les meilleures actions que les musulmans peuvent accomplir pendant ces mois, c'est le fait de faire des jeûnes surrogatoires. Alors chaque musulman, chaque musulmane, chaque responsable du foyer, tu dois inciter, motiver ta famille, les gens qui sont sous ta responsabilité, motivez-les en parlant des mérites des jeûnes, le bienfait des jeûnes, quel qu'en soit dans le côté physique, quel qu'en soit dans le mérite spirituel. On motive les gens qui sont autour de nous sans leur imposer. On n'impose rien aux gens. On les motive. Le bienfait des jeûnes. Journée, une journée, celui qui jeûne, une journée, juste pour l'amour d'Allah. De jeûner une journée juste pour l'amour d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va éloigner ton visage du feu de l'enfer de 70 ans. Allahu Akbar. Quelqu'un qui jeûne, le jeûneur, son invocation, il est exaucé jusqu'à ce qu'il rompe le jeûne. Subhanallah al-Azim. Ta santé, mon frère, c'est un bien pour toi. Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bien aussi pour toi. On motive les gens qui sont autour de nous. Et toi, en tant que responsable, montre l'exemple. Toi, tu fais et tu en parles. Ce n'est pas tu leur dis, tu leur demandes de faire et toi, tu ne fais pas. Non, toi, tu fais d'abord. Tu fais en premier et tu motives la famille autour de toi. Les enfants, ils ne vont pas dire que ouais, mon père il m'a motivé à déjeuner. Il va dire à son entourage aussi, « Ah, mon père aussi, il gênait beaucoup durant ces mois. » Ce n'est pas mon père, il me dit de gêner durant ces mois. Il dit, « Ah, j'ai vu mon père gêner beaucoup. » Ce n'est pas pareil. Donc, toi, tu fais et tu motives les gens qui sont autour de toi. « Ya Ahabbat al-Kiram » Ça a été rapporté d'Abu Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, « qal » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. Le hadith qu'on vient de citer en français, ça a été rapporté par Abi Saïd, yani Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne une journée fi sabilillah, dans les sentiers d'Allah, juste pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, dans son jeûne il cherche que la satisfaction d'Allah. C'est pas pour que je vais faire des régimes, non mon frère, je jeûne c'est pour purifier mon âme, améliorer ma relation avec Allah. À travers ça, je vais avoir des bons comportements. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces jours-là, Allah tabarak wa ta'ala, la récompense, Allah il va éloigner son visage du fait de l'enfer de 70 ans. Wa an Abi Umamah al-Bahiliya radiyallahu ta'ala anhu qal, qultu ya Rasulallah, murni bi amrin yanfa'ani Allah bihi, qala alayka bisiyam, فإنه لا مثال له. أبي أمامة البهلية رضي الله تعالى عنه كي الله سوى satisfait de lui. Il s'adressait au prophète en disant, يا رسول الله ô messager d'Allah, ordonne-moi une action ou dis-moi une action lesquelles si je mets en pratique ça sera bénéfique pour moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète lui dit, il lui motive, il lui incite de jeûner. Car il n'y a pas mieux que le jeûne. Il n'y a pas une meilleure action que le jeûne surrogatoire. Ibad Allah, wa min afdali yani al-ayyam fi al-shahr Allah al-muharram, yawm Ashura.
وهو اليوم العاشر من هذا الشهر ويوفق يوم الاثنين القادم إن شاء الله وهو يوم عظيم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصومه فقال عليه الصلاة والسلام وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بالصيام يوم واحد تكفيرة الذنوب السنة الكاملة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في هذه اليوم فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري رحمه الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله mes très chers frères parmi les meilleurs من أفضل الأيام في شهور يعني في شهر الله المحرم Parmi les meilleurs jours dans ces mois bénis, c'est le jour de Ashura, le dixième jour de ces mois bénis. Ce dixième jour à Habbatil Kiram, Nabi Yuna sallallahu alayhi wa sallam, il nous a évoqué le mérite de jeûner le dixième jour. Même si tu n'arrives pas à jeûner plusieurs jours, Mais le dixième jour, à Habbatil Kiram, chacun d'entre nous, homme, femme, quelqu'un de pibeur, qui raisonne en bonne santé, on doit le jeûner. On doit s'entraider, se motiver pour jeûner ces jours. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la récompense des jeûnes des jours de Ashura. Ça équivaut un an de péché passé. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne un an de péché passé. Ahabbatil kiram. Une journée de jeûne. Parce que c'est un jour béni. Le mois, il est sacré déjà. Et ce jour-là, il a une histoire. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est le jour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé Moussa alayhi salam et ses apôtres contre le mal de Pharaon. C'est le jour lequel Allah tabaraka wa ta'ala il a noyé Pharaon la'anatullah alayhi et ses disciples. Alors quand le prophète il est arrivé à Médine, il a vu les gens des livres Ahlul Kitab. Les gens des livres, ils gênaient ces jours.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait à eux. Il dit, mais pourquoi jeûnez-vous ces jours? Alors ils ont dit, oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ces jours-là, c'est un jour béni pour nous. C'est le jour lequel Allah il a sauvé les enfants d'Israël contre son ennemi. L'ennemi d'Allah, Pharaon, la'anatullah alayhi. Alors il dit, ce jour-là, Moussa alayhi salam, il a jeûné ce jour-là, alors pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils ont dit ça, les prophètes, ils disent, sallallahu alayhi wa sallam, فَأَنَا هَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. Moi, je suis plus proche de Moussa. Je suis plus de droit de jeûner ce jour-là que vous. Car je suis plus proche de Moussa que vous. Alors, depuis ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait et il a ordonné aussi à sa communauté de jeûner ce mois béni, ce jour béni. Il nous a demandé même, yani, de contredire leur façon de jeûner. Alors, ce jour, bi'iznillah, ça va tomber le lundi prochain, le 8, bi'iznillah ta'ala. On peut jeûner le 7, le 8, le 9, celui qui veut, inshallah. Ou on peut jeûner le 8, le 9 et le 10. Comme j'ai dit, mes très chers frères, l'événement d'un musulman, chaque événement qui nous parvient dans l'islam, il y a des histoires dedans, Ahabati Kiram. Quand on regarde bien, combien Allah il a mentionné Moussa alayhi salatu wassalam dans le Coran. Combien Allah il a évoqué Moussa dans le Coran. Bien avant sa naissance, combien les enfants d'Israël, ils ont été terrorisés par Pharaon, la'anatullah alayhi. Mes très chers frères, le khutbah ne nous permet pas de rentrer dans le détail. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauvé les enfants d'Israël à travers Moussa alayhi salam. Quand on dit Moussa, bien évidemment, on parle aussi de sa mère. Combien il est important dans l'islam, la place d'une femme dans l'islam, dans la société, comment c'est important. Combien de communautés ou de générations Allah les a élus à travers une femme. L'histoire de Moussa, une partie. Un jour, Pharaon, il a fait un rêve. Pharaon, il a fait un rêve. Il voit une lumière qui quitte fil Beit al-Muqaddas, qui vient rentrer dans son palais. Une nuit, deux nuits, trois nuits consécutives, il fait le même rêve. Alors Pharaon, il a appelé les sages qui sont autour de lui ces jours-là, il les a expliqué le rêve. Ils ont dit, « Ya Pharaon, il y a un nouveau-né qui va venir, qui mettra fin à ton empire. » Il y a un nouveau-né qui va venir et qui mettra fin à ton empire. En résumé, qui peut empêcher les décrets d'Allah? Quand ils ont interprété cet rêve, Pharaon, il a été terrorisé. Il voulait empêcher la naissance de ce nouveau-né. Ce nouveau-né, c'est qui? C'est Moussa. Je dis bien, on va résumer. Le temps, il est court. Ahabat al-Kiram, il a commencé à ordonner de tuer les innocents. Il y a chaque nouveau-né, on regarde, si c'est un garçon, il faut le tuer. Allahu Akbar. Combien de bébés, combien de nouveau-nés, ils ont été victimes
par ces tyrans. Ils ont fait ça des années et des années. Alors un jour, un de ses ministres, il dit, « Ya Pharaon, on a plus de garçons dans la ville. » Alors les gens qui travaillent dans les champs, dans les châteaux, qui sont à nos services, ils ont commencé à vieillir. On a besoin des générations. Alors Pharaon, en ce moment, il a ordonné de tuer de nouveau-nés un an sur deux. Un an sur deux. Un nouveau-né, garçon, on le laisse vivre cette année. L'année d'après, si c'est des garçons, on le tue. L'année laquelle on doit laisser les gens vivre, les nouveau-nés vivre, c'est l'année laquelle Haroun il est né. Alayhi salam, le frère de Moussa. L'année laquelle même on doit tuer le nouveau-né. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'alu lima yurid. Allah il fait ce qu'il veut. Qui peut empêcher les décrets d'Allah? Wallahi, personne, ahabat al-kiram. Celui Allah, il est capable. Allah, il est capable de tout. Il fait ce qu'il veut, il n'est pas interrogé de ce qu'il a fait. C'est à nous de lui rendre compte. L'année laquelle même que Moussa, il est né, c'est les mêmes années qu'on doit tuer les nouveau-nés. Mais Allah, il a utilisé qui? Quand on a évoqué la place des femmes, cette action, ça a même impacté la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, « Wa awhayna ila ummi Moussa an ardihi, wa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi, wa la takhafi wa la tahzani, inna radduhu ilayki wa ja'ilhu min al mursalin. » Allah dit, « Nous avons révélé à la mère de Moussa de l'allaiter, s'il craint pour lui, de le jeter dans la Nil. » Allah dit, n'aie pas peur pour lui et ne t'attriste pas. N'aie pas peur pour lui et ne t'attriste pas. Inna radduhu ilayki, Allahu Akbar. On va le retourner auprès de toi et on fera de lui un prophète. Dans la nature humaine, si tu veux protéger ton enfant, dans la nature humaine, si tu veux que tes enfants ne vont pas vers les dangers, on doit être près de lui. On le surveille de près. On s'accroche à lui. Mais Allah dit, si tu crains pour lui, allait lui, si tu crains, jette lui dans la mer. Après avoir laissé, laisse les choses dans la main d'Allah. Après avoir laissé, Allah dit, on fera retourner auprès de toi et on fera de lui un prophète. Allah, il a pris sa promesse ou pas? Allah subhanahu jalla wa ala, la promesse d'Allah ne change pas, mes frères. C'est le même Seigneur qui était à l'époque. Le premier sans débit, le dernier sans fin. Sa promesse ne change pas, mes frères. C'est à nous de changer. Allah, jamais il va changer l'état d'un peuple ou l'état d'un individu, sauf si on change ce qui est en nous-mêmes. C'est moi béni, c'est moi béni. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte de ne pas faire du tort à nous-mêmes. Chacun doit savoir que tout ce qui est fait, si c'est du bien, c'est un argument pour toi. Si c'est du mal aussi, c'est un argument contre toi. Ne pense pas que tu fais du mal aux gens, non. C'est des victimes, Allah il va les récompenser. Mais wallah al-azim, ça va tomber sur toi-même, tôt ou tard. Donc mes très chers frères, bifadlillahi ta'ala, chacun d'entre nous, il faut exposer nos actions devant nous. Il faut qu'on se fasse du compte pour nous-mêmes. Hasibu anfusakum qabl an tuhasabu. L'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait comme action? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir améliorer ma relation avec Allah? Qu'est-ce que j'ai servi pour la communauté? Qu'est-ce que j'ai servi pour la communauté? Ya Allah, j'ai mis azima. Je vais faire mieux, c'est-à-dire mieux que l'année dernière. Si je ne suis pas bien avec ma famille, comment je vais rétablir une bonne relation avec ma famille? Je ne suis pas bien avec mes voisins. Comment je vais rétablir une bonne relation avec mes voisins? Incroyable, Dieu a été bien avec ses voisins. On doit montrer les bons exemples.
C'est pas on dit, ouais, nouvel an, nouvel an, nouvel an, âme. Mon frère, c'est une partie de toi qui s'en va. Tu t'es rapproché de la tombe. Tu t'es rapproché de la vie après la mort. Qu'est-ce qui t'a préparé? Qu'est-ce que j'ai préparé? Allah wa farna al-khayr. Allahumma nadouk Allah. Wa nadouk al-Rahman. Wa nadouk al-Barru al-Rahim. Wa nadouk bi asmaïka al-husna kullahu. Ma alimna minhu wa ma lam na'alam. Ma alimna minhu wa ma lam na'alam. An taghfir lana wa tarhamna.